Mesdames et messieurs, à toute nette, bienvenue. C'est avec nous grand plaisir nous croiser dans l'espace pour présenter une édition nouvelle tout neuf sur Radio Pan, Radio 12 FM International. Amis qui toujours là ensemble avec nous, ceux qui jouent nous sous 712 70 69 34 605 562 36 08, ceux qui là sous www.doicefm.com, site internet nation, hein, c'est toujours un grand plaisir pour que nous joignent nous pour avoir présenté édition nouvelle ça, mesdames et messieurs. En pile bagaille parlé, en pile arrestation, en pile question posée, encore sous question assassinat à ancien président Jovenel Moïse en dans le pays d'Haïti, différentes personnalités jusqu'à présent a réclamé justice pour tout ça. Après Cosby qui est en prison, les mêmes pression aura harcèlement sexuel et puis manier monde. À Konya, c'est que New York là, Andrew Cuomo, les mêmes qui arrivent là, à côté démissionné après l'accusé de harcèlement sexuel. Mesdames et messieurs, Andrew Cuomo remette sans ça, bagarre là, démissionné, Lila Gesha. Lionel Messi arrivé à Paris, même il est arrivé là pour signer un contrat de 2 ans avec la PSG. Alors à Paris, c'est jamais. Alors star football là, Lionel Messi qui touche sol là, en pile émotion, yon bagaille, en pile personnalité, t'assemblé tapton, la riacho condifé. Donc à tout le bagaille, yon allé à la manière de Messi. Mesdames et messieurs, Ariel Henry rencontre le ministre des Finances sur nécessité pour réduire le train de vie de l'État. Et puis, l'autre qui fait comprendre, il faut qu'il y ait implication de tout écosystème économique là pour stabiliser tout échange là en le pays d'Haïti. Après ça, c'est la paix. Merci à terre. Ariel Henry exige justice pour Jovenel Moïse qui lui-même n'aura pas gagné, mais n'aura souillé. Donc, à 200, mesdames et messieurs, ambassade d'Haïti en République dominicaine, au côté Paul, il remet une série de visas d'étudiants à une série universitaire haïtien. L'autre bois, en pile, bagage sous la en pile, nouvelle, fait grimace au Pérou, nouveau premier ministre et chef de parti qui se pouvoir, il a accusé des blanchiments d'argent, mesdames et messieurs. Donc, il y a Janica, il y a Philippe, donc, la dernière personnalité qui était dans la prison après l'attentat de coup d'État dans le mois qui passait, eh bien, lui-même, il est finalement sorti de yo. Donc, pour avocat, c'est une grosse victoire, mesdames et messieurs. Donc, il y a un PNHK qui dispersé violemment, il y a un sit-in qui réclame la libération de ces prisonniers. Différents mondes ont demandé libération prisonniers. Dossier Jovenel Moïse, juge d'instruction Mathieu Chantache et Chanlatte, lui-même licencié là. Donc, on a trouvé dans l'opposition, donc Mathieu Chanlatte, accusé de partialité dans l'affaire Mathieu Moïse, cadre de Malog, lui-même les réputé là. Proche de PHTK. Donc, mesdames et messieurs, qui laisse, qui pourra finalement rentrer dans la question de dossier Jovenel Moïse pour travailler justice, si le président lui-même, il mérite justice et condamné moi, donc, si lui-même, l'État mérite l'action, en tout cas, parce qu'on sera causé à lui-même, licencié. Mesdames et messieurs, vous demandez, est-ce que vraiment, a gagné, il y a une question de justice dans l'affaire Jovenel Moïse, là, monde qui va pécher à lui-même, bye, premier coup de roche là. Alors, gagner là, c'est sacrifice citoyen, donc lui-même, lui nécessaire à construction donc, de l'État-nation. Hein. Après ça, donc, tout ça qu'a fait, c'est laver main, si y a il va bailler un résultat, genre différentes personnalités, il y a même, il y a plein d'affaires ça. Mesdames et messieurs, donc, nouvelle sur nouvelle, il y a une pancarte antisémite, donc, à Fristol, c'est la jugé le 8 septembre, à Cap-Vinilla. Et puis, il y a une grosse manifestation qui fait dans différents coins en Europe, donc, contre l'État lui-même qui exigeait, donc, un personnage qui a porté soin, donc, il y a même, il exigeait, un cas, sur cela, 4 vaccins obligatoires. Donc, Mounio, même, il a tombé fait manifestation dans l'arrière. Il a dit qu'il n'a pas fait sens pour l'État à exiger, faire un bagage contre volonté seulement pour le cas de travail. Mesdames et messieurs, donc, Mounio fâché Hong Kong qui n'a pas Saint-Germain.
avec l'autre bloc en Europe, même surtout en France, ces manifestations qu'a fait. Entre-temps, Angela Merkel, les mêmes côté parle, lui dit qu'il pourra suspendre question, donc pas payer pour vaccin, de manière pour capable forcer en série des mondes qu'on y a là. Le monde pourra gagner un babouquette si le vaccin n'est pas free encore, pas gratis, eh bien, il y a obligé, donc, eux-mêmes, donc, à prendre. Donc, il y a un Sénat américain qui a approuvé un vaste plan d'infrastructure de Joe Biden. Il y a un bagage parler de lui dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Donc, il n'y a pas douce, pièce côté sous la terre, quel que soit Jean Viria, donc, il y a gagné problème. Meghan Markle, dans les coulisses, donc, ça c'est là, des vidéos, donc, à l'anniversaire, en pile monde, eux-mêmes, ils sont contents, ouais, madame Sally, même, qui quitte le royaume, vine, ça c'est là, donc, à commencer la vie, et puis, il y a Gérard Darmanine, qui prend le signe là, donc, ça c'est là, qui s'en c'est là, lui-même, pour le signaler à la justice, un site antisémite, mesdames et messieurs. En Afghanistan, il y a deux autres capitales provinciales qui tombent en bas mais bandits. Donc, mesdames et messieurs, donc, mon yo là, yo pas capable, y a un gouvernement qui n'est pas vraiment capable de défendre tête li. Dans le pays de la Pologne, coalition conservatrice nationale, là, les mêmes sous pouvoir, li éclaté différents l'autre bagaille. L'Union européenne, yon montré là, au fond de incendie. Donc, qui gagne dans le bloc l'autre boyo, mesdames et messieurs. Donc, en pile causé, en pile nouvelle, en pile affaire. Donc, qui gagne là, pour nous barou, dans ça qui gagne dans l'actualité. Donc, pour journée jeudi, Prince Charles lui-même, il remarque là, déplacé, sorti. Donc, à la naissance des petites li, Harry lui-même, qui fait pleurer. Donc, Diana, mesdames et messieurs. Donc, nous, quand c'est là, après la Wessin Kabaou, en détail, tical, patical, tizing, patizing, tic, tichik, patichik, timoso, patimoso, de l'autre côté, et la scène qui est vraie, donc, à qui j'aime ni, donc, ça c'est là, anti-robe, coûte et talon haut, donc, à 53 ans, chanteuse là, il même lui montrer le chic et sexy, mesdames et messieurs, donc, c'est ça ça fait même à licencié sur Radio Paula tout le joine yon ti nouvelle à tout côté sur la terre béni yon affaire que personne ne va pas capable manquer vous qui fait de vous même monsieur ici Neymar Mbappé c'est PSG même libre de ça et pour gérer monsieur Sayo mesdames et messieurs. L'autre, ça nous vient pour parler au déo, c'est surtout Afghanistan. Joe Biden lui dit que Joe Biden fait comprendre qu'il n'est pas regretté. Donc, décision pour le retirer les troupes américaines. Yo, l'autre bois. Pologne éclaté de coalition à pouvoir. Taliban lui-même lui emparé là. Donc, à des capitales provinciales d'Afghanistan, dans le nord de l'Afghanistan. États-Unis accusé donc de harcèlement sexuel gouverneur de l'État de New York là lui-même qui annonçait mardi donc lui-même lui retirer col dans affaire ça lui démissionner Sénat américain je ne dis ça lui-même lui approuvé un vaste donc plan pour donc sans cela un vaste plan de Joe Biden mesdames et messieurs donc Joe Biden Taliban yo continue à avancer mais Biden lui-même lui pas regrette du tout le fait que lui-même l'a retiré soldats américains yo l'autre bois mesdames et messieurs au Belgique pouvoir lui-même lui échapper là à un passe sanitaire français yo pas hésité même pour passer frontière mesdames et messieurs au la Radio 12 FM International, radio qui pote nouvelle ou la caillou, quel que soit côté le passé, li pote le baou clé, kondo koko, yon manière ou même pour capable rete informé pour connaître qui ça qui gagne cap passé à travers le monde. La sera par la Radio 12 FM International. A tous amis, à tous. 12 FM International RDI, yon plate bien rempli pour yon société qui besoin service. Émission sociale, culturelle, familiale, médicale et tout, information politique sociale. Tout ça au besoin là en dan plate ça sous RDI Radio 12 FM International. 12 FM International RDI.
yon plate à bien rempli pour yon société qui besoin service. Émission sociale, culturelle, familiale, médicale et tout, information politico-sociale. Tout ça au besoin là, en dans plate ça, sous RDI, Radio 12 FM International. La Radio 12 FM International, la RDI, répond à question. Qui l'autre question gagne? N'attendez 712 770 6934 605-562-3608 pour qu'écouter radio par téléphone. www.doucefm.com pour qu'attendez sous site radio. Abonnez-vous avec channel YouTube Radio 12 FM International sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et toutes autres réseaux sociaux. Radio 12 FM International. Nous sommes Radio 12 FM International, la RDI. Yon plate bien rempli pour yon société qu'attend. Nous répondre à question. L'autre fois, mesdames et messieurs, qui t'en dit nous tout net, bienvenue sur Radio. Bienvenue dans le développement nouvelle. Après yon offensive éclair, li même Taliban yon yon réussi là pour yon emparer en 4 jours de 8 capitales provinciales. L'État li même les resserré là. Donc à présent, autour de Mazar et Sharif, carrefour commercial, les mêmes qui plus de grandes villes du nord de Afghanistan et aussi autour de Kandahar et Lashkargah au sud. Alors des fiefs historiques de l'insurgéo ainsi que Hira. Donc dans l'ouest, mesdames et messieurs, interrogés par différentes personnalités, alors avancé les talibans, Joe Biden lui-même lui dit qu'il n'est pas regretté décision pour retirer yon série de troupes américaines l'autre bois, mais il a assuré que les États-Unis lui-même li pas abandonné pays, mesdames et messieurs. Donc c'est comme ça ça fait lui-même licencié en tout cas les rivières là pour prendre destin pays en main, nous pas capable toute journée dépendant de yon groupe, dépendant de ce cela. Alors yon série de pays pour aider à développer pays pan, mesdames et messieurs. N'a avancé donc à gagner là après accusation de harcèlement sexuel. Gouverneur de New York là, Andrew Cuomo, lui démissionné, mesdames et messieurs. Alors, gouverneur lui-même, licencié là, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Et ça lui-même lui annoncé mardi 10 août là, démissionné, une semaine après un rapport donc accablant sur affaire. Andrew Cuomo, 63 ans, gouverneur en place depuis 2011. Le même licence là a été mis en cause pour première fois en février. Donc, depuis, il y a eu des témoignages d'anciens employés, donc de l'administration ou bien conseillers, eux-mêmes, ils ont été multiplié. Mais jusqu'à ce cela, les mêmes ont été repoussés, ils ont appels à des démissions. Alors, semaine dernière, il y a un rapport accablant, les mêmes licences là, rendu public. Dans le dossier ça, donc, dans le thème de l'enquête indépendante, donc, a demandé par le procureur général de l'État de New York, le même qu'il accusé, le fait qu'il a harcelé sexuellement 11 femmes et donc, licencié là, enfreint la loi fédérale de l'État. À la suite de l'enquête là, situation le même est devenue là, donc, plus donc, difficile pour le gouverneur. Donc, le président Joe Biden, le même lui demandé pour le fouler, il a fait des appels pour le démissionner. Alors parmi femmes qui figurent dans le rapport ça qui dit Andrew te manye ou nan mauvais côté, c'est un assistant qui même déposé la plainte. Donc la semaine dernière, il ouvre la voie en série poursuite judiciaire contre gouverneur Andrew Cuomo, mesdames et messieurs. Bagaille devant ça, bagaille femme ça, c'est pas des monde il a gagné un problème. Donc il y a un homme ou même donc c'est prend précaution depuis qu'on y est pour demain si Dieu veut pour monde pas venir dire au témoin yo. Et puis, pas une pièce monde qui est embarrassé pour dire un tel te pointé devant yo, ou bien un tel te couché ensemble avec yo. Même si femme n'a gen mari la kaili, la marche dit combien de qui te couché li, son la vie, nous pas connaît qui côté bagay sa li même la privé. Bagay qui te kon fait entre deux monde et puis te kon rete secret qu'on y a, c'est censé là, c'est publicité, mesdames, yop marche fait pour devant yo. Donc, pour connaît qui monde qui te couché yo, qui monde qui pas couché yo. États-Unis, c'est dans les mêmes liens approuvés, un vaste plan d'infrastructure de Joe Biden. Mesdames et messieurs, alors vaste plan ça, pour infrastructure, les mêmes liens par Joe Biden, il est venu adopté par le Sénat. Un projet historique selon Maison Blanche, les mêmes liens adoptés, à majorité simple avec soutien de plusieurs républicains.
yon fait qui rare dans congrès a ultra divisé politiquement. Donc ambitieux ça, donc c'est yon deal vert, donc qui prévala yon enveloppe de 1,2 milliard $ d'investissement sous 8 ans. Alors plan ça, il prévoit $550 milliards de nouvelles dépenses fédérales, mais il atteint là total à 1,2 milliard $. Donc si sans cela, il même il prend en compte la réorientation dans ces financements publics qui existaient. Alors objectif là lui-même, c'est pour ta réparer on sait des routes, ponts, on sait des voies ferrées et puis qu'il est cela abandon depuis des années. C'est des investissements qui sont capables également consacrés à Internet, donc à haut débit, donc à rénovation dans ces circuits, donc à eau potable et accélération des transitions écologiques des pays avec construction dans ces bornes de recharge, donc pour véhicules électroniques à Cap-Vinio, mesdames et messieurs. Donc c'est comme ça. Zafè li menm li sanseye, donc à bord ici là, mesdames et messieurs, n'a avancé tical, patizing, tichik, donc à timoso, mesdames et messieurs, donc si donc en pile la joie dans Paris, donc les ouais arrivé de Lionel Messi l'autre bois. La Grèce, il y a donc c'est les habitants, il y a plus été là, donc avec l'île DB, les mêmes qui en bas du fait. En Algérie, des dizaines d'incidents, il y a même eu fait là de 40 morts, dans 40 morts, ça a 25 militaires, il y a même qui n'a pas gagné ça, qui même donc a blessé et puis qui mourit dans affaire, mesdames et messieurs. Donc alors président algérien, donc Abdel Majid, donc Tebboune, lui-même il s'est là annoncé mardi soir, donc 10 août là, sous un compte Twitter, la mort de 25 militaires dans un incident même qui fait rage. Et lundi, dans le nord du pays, notamment en Kabylie, donc à côté civil, donc à Bilan, lui-même, les Aloudi, 17 morts, donc à Tizi, Ouzou et Sétif, selon l'agence de presse officielle, l'autre droit, mesdames et messieurs. Militaires perdent la vie, civil également. Perdi la vie, mesdames et messieurs. Donc, COVID-19, Nantillo, situation elle-même extrêmement grave avant visite. Donc, ministériel, là, l'autre bois. Malgré couvre-feu et confinement, donc partiel instauré semaine dernière pour freiner l'épidémie de COVID-19, là, département entier, donc lui-même, il connaît là, il y a une importance, recrudescence des cas. Alors, ministre des Outre-mer, là, Sébastien, donc les cornus, lui-même, il s'en là, attend, donc journée, le 10 août, là, donc lui-même, en Guadeloupe, côté là, il parle rendre, donc lui, en Martinique, le jeudi, pour une visite à des crises et pour afficher leur soutien de l'État à personnel médical immobilisé. Alors, Olivier Véran, c'est ministre de la Santé et des Solidarités, même lui également, il y a tant de mis sous place, mesdames et messieurs. Donc, Bagala, lui-même, n'est pas facile, environ 100 000 habitants contre 876 à la semaine qui passait à question épidémie, hein. Mesdames et messieurs. N'a pas avancé pour n'a fini, n'a pas pu comprendre que la Belgique lui-même là, lui échappé, donc à pas sanitaire là, français, oui, il n'a pas hésité. Pour eux-mêmes, pour eux, faire une jambe de l'autre bord. Donc, c'est comme ça, ça fait à lui-même lié. Pays à la, lui-même, il a son là, l'ouvrit. Donc, à l'autre zone. Dans ce centre commercial, on entend l'accent français plus que d'habitude. Laurence est venue de Valenciennes pour faire les magasins. 30 minutes de voiture. Elle refuse vaccin et test PCR. Qu'est-ce que c'est votre sentiment ici quand vous arrivez en Belgique? Bah, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas le pass sanitaire. Donc, on est plus tranquille. On ne nous impose pas. Et vous êtes prêt à tenir combien de temps comme ça? Le temps qu'on pourra. Thomas Cornil, le directeur de ce centre commercial, note une fréquentation à la hausse, surtout depuis un mois. En 2019, nous avions en moyenne 11% de clients français. Et aujourd'hui, sur les mois de juin et de juillet cumulés, on est à 15%. Le samedi, ça peut monter à 23, 24, voire 25%. Activité favorite des Français, les restaurants. Léna, serveuse dans une brasserie, n'en a jamais vu autant. À partir du moment où le pass sanitaire il a été obligatoire, on a eu beaucoup de Français, mais les trois quarts du restaurant, c'était des Français. Sans pouvoir avancer de chiffres précis pour l'instant, la ville de Mons confirme que les Français sont
plus nombreux depuis l'instauration du pass sanitaire. Jérémy Audouard. Donc, ville là, les mêmes, les semblent là, les ouvriers, donc, mon yo traversé sans difficulté, donc, sans tête chargée, parce que, même, yo l'ouvrier là, yo manier, donc, pour capable, donc, continuer activité yo. Dans Marseille, quatrième vague là, les compliquée par une série d'inégalités sociales, mesdames et messieurs. Donc, bagala li même, li pas facile. Alors, région province Alpa Côte Azur là, PACA, li même licence là, donc, nan yon plan blanc depuis donc, déjà yon semaine pour faire face à yon quatrième vague de COVID-19. Yon situation qui est difficile, difficilement, donc, gérable. Donc, nan yon zone, côté là, taux de vaccination li même, li se yon nan plus faible de la France. Donc, mesdames et messieurs, donc, bagala li même n'est pas facile, selon yon série de reportages de l'hôpital. Donc sans cela de Timon donc à Marseille donc Cali même li pas douce du tout. Yo série des employés yo exige yo même pour t'apporter tes avini donc ou bien pour t'apprendre donc tes yo pour t'apprendre donc vaccin avant même yo mettre point pied yo dans travail, mesdames et messieurs. Donc violation. Quand se mettre en ordre de marche avant le week-end. Le service de réanimation du professeur Lionel Velli compte 20 lits. 15 sont occupés par des patients Covid, 15 patients non vaccinés. Et ce sera bientôt insuffisant, d'où ce coup de fil. Très bien, merci. C'est un appel à l'aide à la direction des soins pour essayer d'avoir des heures supplémentaires. Car les deux semaines à venir s'annoncent extrêmement compliquées. Cette quatrième vague, comme ailleurs, touche surtout des 30-40 ans, génération active, peu vaccinée, au sein de laquelle le virus circule extrêmement vite. Mais à Marseille, encore plus qu'ailleurs, les inégalités sociales se traduisent en réa. Là, on est sur une population avec une fracture numérique. Prendre un rendez-vous sur Doctolib, c'est excessivement simple. Mais on voit qu'il y a une barrière de langue et que les gens ont un manque d'informations sur la vaccination. Et quand vous regardez la répartition des vaccinés en fonction des différents quartiers, c'est plus que criant. Le service était préparé à un changement de profil des patients. Pas toujours évident pour le moral, Laura est infirmière. Ça nous remet en question à nous aussi, face à nos familles, à nos amis, et se dire que tout le monde peut être touché. L'épidémie a déjà usé l'équipe du professeur Villy. Le rappel des agents en congé ne se fera donc qu'en dernier recours. Marie Casadebé. Donc, Jonathan Sala, c'est comme ça, et question les mêmes liées dans Marseille. À côté là, il y a même, on y a là, il y a suivi la pression de quatrième vague là. Et donc, quatrième vague de questions coronavirus là, même l'autre bord, mesdames et messieurs. Les États-Unis, Jonathan Sala, donc, en pile bagaille passé, Andrew Cuomo, allez, il y a un vaste plan lui-même, lui approuvé. Donc, gagné là, donc, c'est censé la consa, question. Donc, bagala li même li sensé. Gè question migrant, gè donc alors la nan citoyen, donc li même, yo pral construit la yon barrière sou frontière avec Biélorussie, yon manière pour capable empêcher moun yo même yo sensé la traverser l'autre bord. Tout moun a géré zafè yo. Mesdames et messieurs, conséquence des crises là, li même li changé yon série de métiers, mesdames et messieurs, différents monde, yon même y a cherché l'autre bagaille pour yon faire. Donc yon série de monde qui était dans question soignant, yon même yon rentré à le vendre café yon même à le faire l'autre bagaille, mesdames et messieurs. Donc yon monde qui pas choisi yon même pour yon à la perdu la vie yon comme ça. Alors, nouvel épisode de yon série sur ça qui vient pour yon avec crise à COVID-19 là, qui bouleverse là la vie qui dans les Français, je dis à yon même qui yon intéressé à soigné, donc à qui lui-même déjà jeté l'éponge à cause des crises là. Environ 10 000 nan infirmières eux-mêmes et aides-soignants sont capables de renoncer donc à métier ça en 2020. Donc après une étude de Fédération hospitalière en France qui publiée en mars dernier. Donc c'est cas de Sandrine, 48 ans, aide-soignant pendant plus que 20 ans donc dans l'hôpital donc de EHPAD donc à public nord donc de la France. Alors épidémie en lui-même licence là gien raison de vacances moun sa yo, mesdames et messieurs. De la première vague de l'épidémie, Sandrine, qui travaille alors dans une maison de retraite dans le nord de la France, garde un souvenir très douloureux des journées sans fin et sans moyens. Pas de blouse, pas de surblouse, des entreprises du coin qui viennent nous déposer des blouses de peintres, les masques très peu. On nous dit que les masques FFP1, on peut les garder jusque 8-12 heures sans problème. Des couloirs qui commencent à se remplir de gens qui toussent, qui ne sont pas bien.
et puis des résidents qui sont confinés en chambre. J'ai des collègues qui pleuraient en se demandant est-ce qu'ils vont tous mourir, quoi. Il y a une fois, sur 17 jours, on a fait 27 décès. La façon dont sont gérés ces décès est insupportable pour l'aide-soignante âgée de 48 ans. La mort d'une femme dans l'indifférence générale, sans que sa famille puisse l'accompagner, l'a fait craquer, elle qui exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Quand un décès Covid intervient, on a des housses spécifiques pour mettre les corps et les cercueils sont fermés, plombés dans les 4 heures et plus personne ne voit la personne décédée. Il y a un protocole qui se met en place et cette nuit-là, ce soir-là, ça a été la dernière personne, ça a été le trop-plein. Trop de souffrance pour cette personne. Et un grand manque de considération de la part des chefs de service. Vraiment. Donc j'ai tout arrêté. La table à repasser, on en a une ou pas pour finir ? Aujourd'hui, Sandrine a créé une entreprise pour former des assistantes de vie et coacher des aidants. Si elle n'a pas réussi à faire évoluer le système de l'intérieur, elle espère le faire de l'extérieur afin que sa reconversion forcée serve à quelque chose. Je n'avais jamais envisagé de tout arrêter, tout plaquer, non ? Bah pour ma part, oui, c'est un constat d'échec parce que déjà, je finirais pas ma carrière là où je le souhaitais. Partant de là, je me suis dit que c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle vie qui démarre et je me recentre sur ce que moi j'ai envie de faire, sur ce que moi j'ai envie de donner aux autres. Je forme à prendre soin correctement, dans de la bienveillance, dans de la bientraitance, parce que je pense qu'il faut vraiment arrêter cette maltraitance institutionnelle. Tout ça, moi, je peux plus. Vraiment, je peux plus. Sandrine fait toujours partie de... Yon seri de moun a passe 12 heures de temps avec yon mas nan figyo. Mesdames et messieurs, différents personnalités qui étaient en question donc soignant, yon même yon retiré koyo, yon réglé l'autre bagay parce que c'est pour qui sauve yon, mais docteur a gagné. Yon l'état lui-même qui était sous situation moun sa yon même, qui fait tout sa yon capable pour bailler l'autre moun la vie. Mesdames et messieurs, nous pensons que nous arrivons dans l'état, côté nous avons là, dans le moment pour que nous sommes censés plier bagage. Mais avant de rappeler que gagné là, mesdames et messieurs, donc il y a plusieurs visites faites pendant la semaine. Ça y est, côté là, premier ministre Ariel Henry, lui-même, il a fait Tichita, Tipaoli, censé là, avec l'autre personnage dans le gouvernement. Donc, au côté là, Ariel Henry, il a rencontré le ministre des Finances sous nécessité pour réduire train de vie. Et puis, il faut qu'il y ait implication de tout un écosystème économique là pour capable stabiliser taux d'échange. Mesdames, Monsieur Guadel Anglès, Guadel Anglès, alors le même qui exige la justice pour Jovenel Moïse, donc à qui lui-même pas gagné, mais le soulier de sang, mesdames et messieurs. Donc, le gouvernement de New York, gouverneur, lui-même lui accusé de viol, le gouverneur de New York, là, Andrew Cuomo, donc lui-même lui annoncé démission, là, mesdames et messieurs. Donc, c'était un grand plaisir pour que nous-mêmes nous étions là ensemble avec vous pour vous présenter aux éditions nouvelles. Ça nous oblige. Donc, lâchez-moi que nous allons être à blanche. Si c'est vous qui montez, nous allons croiser demain si Dieu veut pour une autre affaire, une autre nouvelle. C'est toujours un grand plaisir. Toujours on est content, toujours avec un pile la joie, mais te barous toute sa gaine à actualité, qui c'est le Sénat américain qui a acquisé, qui a approuvé un plan, qui les États-Unis lui-même qui a acquisé harcèlement sexuel, gouverneur de l'État de New York là, donc lui-même, et que c'est Taliban lui-même qui empare la capitale provinciale de Baklan, donc non nord de l'Afghanistan, donc nous également parlé de ce qui a passé en Pologne, ainsi, donc Joe Biden lui-même n'y pas regrette. Yon virgule, mesdames et messieurs, le fait que lui-même lui prend décision pour que licence là, donc fait troupe, vini la caillou. Yon FC Barcelone qui explique raison de départ de Lionel Messi. Donc, yon même yon fait comprendre, yon prolonge contrat de Argentin Lionel Messi, yon est capable de représenter yon risque financier pour FC Barcelone actuellement en grande difficulté. Donc, c'est ça yon même yon déclaré. Donc vendredi 6 d'août lors d'une conférence de presse, donc à ce sens-là, président donc Juan Laporta lui-même lui dit que lui-même lui fait ça qui ce sens-là t'es doit faire. Alors mieux c'est pour intérêt des clubs là, mesdames et messieurs.
Messi aller, si Messi rete, lui-même, li ta kwa le sens là. Donc yon déficit, donc yon problème financier, donc pour club là, mesdames et messieurs. En tout cas, nèg yo même c'est ça yo fait, c'est jouer à jouer. Donc yo même yo pas nan pas l'empile depuis l'arrivée pour y aller, yo al faire route yo. L'arrivée de Messi, lui-même lui confirmé statut qui renforcé de PSG. Alors à Paris Saint-Germain, alors mardi 10 août, donc plus tôt dans la journée, il y a un convoi de 4 voitures, lui-même qui sorti là, le domicile de Lionel Messi pour capable conduire footballeur là, footballeur argentin dans aéroport côté là, donc ça c'est la papale confirmé information de jour. Alors Lionel Messi, il pourra le jouer là, donc à saison ça dans PSG, donc à avion, il était censé là atterrir, donc en après-midi, donc en Bourget. Et puis donc attaquant lui-même il est censé là signer un contrat de 2 donc lui-même voire 3 ans avec Paris Saint-Germain, mesdames et messieurs. Salaire là estimé donc de multiples ballons d'or, 40 millions d'euros par an. Donc c'est prix que Qatar lui-même l'a accepté pour le payer pour capable embellir un peu plus donc sans cela vitrine. Alors explication sans cela des Vincent fondateur donc et observatoire de sport business. Donc c'est ça lui-même il fait comprendre. En tout cas 40 millions donc lui-même par an. Donc ça lui-même c'est une belle enveloppe qui remet à footballeur Lionel Messi lui-même. Donc à Paris Saint-Germain côté là nous dit au contrat lui-même capable de 2 à 3 ans et après donc peut-être renouvelable. Donc si citoyen pas décidé pour l'essentiel là lui-même s'il pas décidé pour le retraiter. Mesdames et messieurs, merci à tout le monde pour ce fait de balle. C'est un grand plaisir pour nous être ensemble avec nous pour te présenter une édition nouvelle. Ça, si c'est volonté, bon Dieu, nous croiser demain si vous pour une autre affaire. Et bon Dieu, à continuer à garder, nous couvrir et protéger, mesdames et messieurs. 12 FM International RDI, yon plate bien rempli pour yon société qui besoin service. Émission sociale, culturelle, familiale, médicale et tout, information politique sociale. Tout ça au besoin là, en dans plate ça, sous RDI, Radio 12 FM International. La Radio 12 FM International, la RDI, répond à question. Qui l'autre question gagne? N'attendez, 712-770-6934 605-562-3608 pour qu'écouter radio par téléphone. www.doucefm.com pour qu'attendez sous site radio. Abonnez-vous avec channel YouTube Radio 12 FM International sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube à toutes notre réseaux sociaux. Radio 12 FM International. Nous sommes Radio 12 FM International. La RD, yon plate bien rempli. Une agitation particulière devant le domicile de Lionel Messi à Barcelone. Un convoi de 4 voitures pour conduire le footballeur argentin à l'aéroport où son père a confirmé l'information du jour. Oui, Lionel Messi va jouer cette saison au Paris Saint-Germain. Le footballeur argentin est en ce moment dans l'avion. Il va atterrir bientôt au Bourget, près de Paris, pour aller signer donc un contrat de 2 ans, voire 3 ans avec le Paris Saint-Germain. Salaire estimé du multiple ballon d'or, 40 millions d'euros par an. C'est le prix que le Qatar a accepté de payer pour embellir un peu plus sa vitrine. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire du sport business et plus que jamais le foot est un business. Pourquoi donc la venue de Messi à Paris est une excellente affaire pour le Paris Saint-Germain? Ça permet au PSG d'augmenter ses chances de gagner la Ligue des Champions, qui est un trophée manquant dans sa vitrine, et qui, s'il le réalise, lui permettra de gagner 30 ou 40 millions d'euros de plus par rapport à la saison passée, par exemple. Et puis surtout... Donc le salaire de Messi serait remboursé. Le salaire net. Salaire net. Payer les charges. ça lui permettra aussi de le PSG version QSI s'est installé dans le top 10 mondial du football avec l'arrivée de Messi à côté de Neymar, voire d'Mbappé, puisque on ne sait pas encore ce que fera Mbappé à l'avenir, de consolider fortement sa place dans le top 5. Gardons à l'esprit que Messi, Neymar, Mbappé et Ramos, c'est les
4 joueurs parmi le top 10 des joueurs avec les plus grandes communautés de fans dans le monde. C'est plus de 500 millions de fans dans le monde. Ce qui veut dire, et pour poursuivre sur ce que vous disiez sur une victoire éventuelle en Ligue des Champions, même si le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions, de toute façon, l'arrivée de Messi va lui rapporter de l'argent en termes de billetterie, de produits dérivés. Alors, il y a une différence, il y a plusieurs différences entre l'arrivée de Messi et l'arrivée de Neymar, par exemple. L'arrivée de Neymar a coûté 222 millions d'euros de rachat de clause au Barça. L'arrivée de Messi, et c'est un chômeur qui arrive au PSG. Donc il n'y avait rien à payer au Barça. Il n'y avait rien à payer au Barça. Il y avait une prime à la signature à payer aux joueurs, mais rien au Barça. Donc ça, c'est la première différence qui est plutôt positive dans l'équation pour le PSG. En revanche, le joueur Messi n'est pas au même âge que le joueur Neymar et il repartira sans valeur de revente. Ça, c'est une certitude. Il va finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il va la finir au PSG, mais en tout cas, le PSG ne pourra pas revendre le joueur, ça c'est une quasi-certitude. Et donc, je pense que ça va être une opération qui peut s'équilibrer, voire qui peut être excédentaire, mais ça ne va pas être une opération financière colossale. En revanche, ça change ou ça confirme le statut du PSG. Et ce statut, ce changement de statut ou ce renforcement de statut, se monétise chaque année avec chaque contrat. Juste un exemple, le PSG racheté par le QSI en 2011 valait aux yeux de Nike 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut 80. Donc ce changement de statut a été payé en retour par les sponsors et les partenaires. Hier, une plainte a été déposée en France, une plainte d'un supporter du FC Barcelone, défendu par l'avocat Juan Branco. Il veut empêcher la venue de Messi au Paris Saint-Germain au nom du fair play financier. Où en est-on dans cette histoire de fair play financier? On rappelle la règle de base, un club ne peut pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Est-ce que c'est le cas? Plusieurs choses. Je ne connais pas cette plainte, mais si elle a été déposée en France, je pense qu'elle n'a aucune chance d'aboutir parce que le fair play financier est un règlement de l'UEFA, qui est une association suisse. Mais bon, au-delà de cela, le fair play financier est un règlement qui est une commission interne à l'UEFA qui peut décider et proposer des sanctions, mais ce n'est pas une loi. C'est beaucoup moins contraignant au moment où on se parle que la DNCG, enfin moins contraignant, je m'entends. C'est-à-dire que l'UEFA prend en considération la période Covid et donc les règles du fair play financier sont assouplies sur une période de 1 ou 2 ans. Parce que les revenus des clubs se sont effondrés pendant cette crise sanitaire. Et évidemment parce que les clubs ont été privés de public partout en Europe, hein, bien évidemment pas qu'en France. En France c'est pire que ça puisqu'on a arrêté le championnat 2019-2020 et donc on a perdu un quart de nos revenus. Donc l'UEFA a pris cela en considération. Il faut distinguer la différence entre fair play financier et DNCG. En France, il n'y a aucun problème, ce transfert ne pose aucun problème parce que la DNCG veille à ce que les clubs soient en capacité de payer et d'honorer toutes leurs dépenses jusqu'à la fin du championnat. Et si ce n'est pas le cas, la DNCG va demander aux clubs de faire partir des joueurs, de réduire la masse salariale ou elle va demander aux actionnaires des clubs de se porter garant. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'actionnaire du PSG est capable de se porter garant. Ce que n'était pas capable de faire le Barça, parce que le Barça n'est pas une société, c'est une association avec des socios. Et eux ne sont pas en capacité... Le club appartient aux supporters. Exactement. Ouais. C'est comme une association. Et cette association-là, elle avait déjà 1 milliard de dettes. Et ce n'est pas les membres de l'association qui serait en capacité d'assumer ce milliard de dettes. Et donc, on leur a demandé d'arrêter de creuser ce trou. Ce qui n'est évidemment pas le cas du Qatar. L'arrivée de Messi, elle va avoir aussi un impact sur la valeur du championnat de France de football? Évidemment, et c'est là où on peut quelque part se désoler du fait que cette arrivée de Messi arrive après la renégociation. Et si il y a encore un énorme gagnant dans l'histoire, c'est Amazon. Amazon avait déjà gagné son cadeau de Noël avec les 8 matchs par journée de championnat à 250 millions d'euros. Mais là, aujourd'hui, Amazon gagne au loto, hein, puisque pour 250 millions d'euros, ils vont avoir parmi les meilleurs joueurs du monde.
ça veut dire que le fait que Messi joue un match du championnat de France, des gens partout dans le monde vont s'abonner pour regarder les matchs du Paris Saint-Germain. C'est un produit d'appel. C'est clairement un produit d'appel. Maintenant, partout dans le monde, ça va dépendre de la négociation des droits internationaux. Et à ce niveau-là, Messi va aider la Ligue 1 et donc aider le PSG, mais surtout la Ligue 1, parce que c'est clairement le point faible du football français. Au moment où on se parle, les droits télé